Bonjour, bonsoir, et maintenant on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Bon, là vous voyez mon compte JP. Petite vidéo sur le rerun d'Iris and Dark sur le JP, le serveur chinois. Alors, sur le N, on ne sait pas encore les dates. Ils ont annoncé sur le JP que ce serait fin juin qu'il y aurait le rerun. Avec un nouveau navire, on ne sait pas quoi la rareté, mais mon avis, ce sera très probablement SSR. Le malin, oui, c'est pas très malin, j'essaie d'annoncer ça et que ça fuite direct. Le malin qui sortira en même moment. Alors, on ne sait pas s'il y a d'autres navires, mais sur le tweet du JP, ils ont annoncé les navires qu'il y avait déjà eu sur le principal event. En plus du malin, sans montrer le skin et le navire, là on a le malin. Alors le malin, c'est un navire de la même classe que le triomphant, qui appartient à la classe le fantasque. Sachant que le triomphant est chez Iris Libre et le malin sera mis chez Vichia Dominion. Alors, sachant que vous aurez sur cet event, il y aura le triomphant, Jean Bart, Surcouf, Dunkerque, le Mars, Émile Bertin et Forbin. Alors, on n'a pas plus d'infos pour savoir si il y aura d'autres navires, mais pour le moment, rien. Alors, il se peut qu'à mon avis, pour ce rerun, il y a un ou deux skins qui apparaissent en plus. Mais à part ça, il n'y a rien de plus. On ne sait pas plus. C'est, pour l'instant, c'est aucune info. On sait juste que sur le N, il n'y a pas encore de date. À mon avis, vu que c'est fin juin et que l'Anime Expo est dès la première semaine de juillet, je ne pense pas que sur le N, il... Après, je peux me tromper, mais je ne pense pas que sur le N, il vous l'aurait fin juin, début juillet. Parce que il y a l'Anime Expo. Et le staff EN est à l'Anime Expo. Pour ceux qui ne savent pas, l'Anime Expo, c'est l'équivalent beaucoup plus gros de la Japan Expo. La Japan Expo, c'est grosso modo la sous-bip des festivals parce qu'ils ont lieu au même moment. Et l'Anime Expo pompe tout. Et la Japan Expo n'a rien. Et voilà. Ça, c'est un petit aparté. Et le staff EN, je pense que ça sera après l'Anime Expo que vous l'aurez, à mon avis. Donc c'est plus début mi-juillet. Je pense que vous l'aurez. Après, il se peut qu'il y ait un deuxième event qui apparaisse. Qui apparaisse avec les Françaises. Et là, on aura peut-être droit à des autres navires. Mais bon, un autre event, c'est pas pour tout de suite. À mon avis, s'il y a un autre event avec les Françaises, c'est pas pour tout de suite. Mais ce serait à mon avis un event en commun, je pense. Parce que là, c'est que sur le run n'est que sur le JP LCN. Et il n'y a même pas de premier run sur le N. Et il n'y a même pas de rerun sur le coréen, de ce que j'ai vu. Donc, il est probable que ce sera comme ça. Il y aura un deuxième event. À mon avis, je pense qu'il va en avoir un deuxième event. Et ça fera un peu comme avec les Allemandes. On aura peut-être le Richelieu. Et j'espère enfin un putain de porte-avion. Ça commence à devenir chiant. Il n'y a pas de porte-avions. On peut pas vraiment faire une flotte sans porte-avions. C'est un peu chiant. Après, il faut savoir que vous avez aussi le drame de Mercer Kébir qui peut être fait. Vous avez Dakar. Vous avez Alexandrie avec la force X, si je dis pas de conneries. Vous avez Toulon. Vous avez encore le cuirassé Clémenceau qui peut être fait. Donc ça peut faire un autre event. Voilà. Après, il n'y a pas plus que ça. Hein. Il ne va pas se cacher. Vous en faites 3-4 encore. Vous pouvez peut-être faire. Et c'est tout. Voilà. Pour revenir au sujet, l'event, le rerun sur le JP et le serveur chinois auront lieu fin juin. Très probablement le dernier jeudi de juin. Hein. À partir du dernier jeudi de juin. Jusque mi-juillet, à mon avis. Alors, on ne sait pas s'il y aura un skin, élément pour la pièce. Je ne pense pas, personnellement. Je ne pense pas que ça aura ces idées-là. Je pense qu'ils feront un autre event et qu'il y aura un skin spécial. Et comme je l'ai dit une fois en live, le skin, vous prenez le skin qui a eu les skins de la pièce pour la. Qui a eu pour. Avec Bismarck, l'event de Bismarck. Vous changez les couleurs, le rouge.
le noir, vous passez ça en blanc et bleu, et vous faites quelques trucs, hein, et vous avez à peu près, ça collerait au thème. Il n'y a pas besoin de faire plus. Mais je pense pas qu'ils font. Mais en tout cas, il y aura forcément un autre event. Et il se peut même que pendant l'été, il y a un event avec les Italiennes. C'est pas improbable. Hein. Je n'écarte pas la possibilité parce que vu qu'elles ont été annoncées, le nom a été annoncé en janvier. C'est pas improbable. Enfin, soit. C'était juste pour faire un petit topo. C'est ce qui va arriver. On sait juste que le malin arrivera. On ne sait pas plus. Et je referai probablement une courte vidéo quand il y aura d'autres infos qui sortiront. Pour le moment, il n'y a rien de plus qui sort. Et pour le N, on sait juste qu'il y a l'Audacious et deux autres navires. J'ai oublié, pardon, excusez-moi si j'ai oublié le nom. Parce que c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Qui est des navires de la Royal Navy qui vont arriver sur le N. Donc je pense plus que sur le N, vous allez avoir, comme ils voulaient faire, un rerun de Winter Crown. Parce que vous n'avez pas de rerun de Winter Crown et vous n'avez toujours pas I-23 et vous n'avez toujours pas fait de rerun de Chessboard. Donc vous avez encore ces deux reruns à faire. Vous n'avez pas encore eu l'event de Mikasa avec Ie. Oh, c'est pas un gros event ça par contre. Et je pense plus que... Je sais pas, on verra. Pour l'instant, on verra au fil des annonces. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, matinée.